Salut à tous les casins, j'espère que vous allez bien. Il était temps d'ouvrir des boosters. Des boosters quoi? Des boosters Dragon Ball Super. Alors on a un booster Colossal Warfare. N'allez pas me dire pourquoi il me restait un booster. Je n'en sais rien. Il était passé au travers des mailles du filet de l'ouverture. Et il me restait une petite boîte comme ça, les mondes croisés. 4 boosters à l'intérieur, une carte promo. Vous connaissez ce type de petits kits. J'aime bien, en plus souvent ces kits se retrouvent en promotion pendant les périodes de soldes. Et là, il faudra y aller. Il va bientôt y avoir les soldes. Je serai dans les starting blocks. Non, en fait, non, je ne serai pas du tout dans les starting blocks parce que j'ai plus envie de me prendre la tête. Le jour J, le matin même plutôt. Le jour J, pourquoi pas. Le matin même, certainement pas. Les gens courent partout. C'est plus mon truc en tous les cas. J'irai plus. Allez, let's go. C'est parti. Alors, on va garder le. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est juste de la balle. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur? Aïe, aïe, aïe. Il y en a deux en plus là. C'est incroyable. Allez, j'espère qu'on aura un beau tirage. J'avais eu il n'y a pas très longtemps celle-ci. Très, très content. C'était une premium, une masterclass. Et j'espère. Alors, franchement, je suis rarement gâté dans Dragon Ball. Voilà, c'est dit, je suis rarement gâté dans Dragon Ball. Allez, let's go, on a magnifique Sangoku Super Saiyan 3. Franchement, très très beau. Lud au pouvoir absorbant, planète Vegeta. J'adore Vegeta. Le méga canon, l'attaque fulgurante. On a Bulma, C17. Kaioshin du Nord, défiant Bou. Bonne chance à lui quand même, faut lui dire. Haru Haru. Allez, on arrive bientôt à la carte qui nous intéresse. Allez, allez, allez. Non, 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 on n'y est pas encore. Hein. On a charge de Bardock, mais là on y est. Et on commence pas mal avec une SR très sympa. En plus, c'est Trunks, pouvoir de coordination du temps. Trunks, c'est vraiment un perso que j'apprécie. C'est pas mon préféré. Mais Trunks est plutôt sympa. Trunks adulte, on va dire. Est plutôt sympa. J'aime bien. J'aime vraiment bien Trunks. Allez, on continue. Allez, j'allais prendre Colossal Warfare. On a dit qu'on gardait en dernier. On ne sait jamais. Alors là, j'ai envie de te dire, l'ouverture, elle est déjà pliée. Parce que quand on a une SR, bah, c'est déjà pas mal. Super rare. J'ai envie de dire que c'est déjà pas si mal. Régic, on a C13 fusionné, Kaioshin, commandant des Kaioshin, méga canon Sigma, Jin, famille de la justice, on a un Son Goku en Super Saiyan Blue, Kaioshin de l'Est, Trunks, très sympa, passerelle vers le futur, Général Riddle, on a Kibito, ouais, voilà, il va en chier. Allez, on arrive avec ça, ah, magnifique, ça j'aime beaucoup, ce cyborg C16 au cœur héroïque, et on aura, une deuxième SR, en plus elle est pas dégueu du tout, on a Sangoku, explosion d'énergie, ça part très très bien cette ouverture, ça fait plaisir. Petit Sangoku, ça c'est vraiment cool, on a deux SR pour cette ouverture, et là j'ai envie de te dire, c'est super plié. C'est super plié pour cette ouverture, deux SR, c'est juste génial. C'est juste, voilà, c'est top, c'est top. On peut faire beaucoup mieux, hein, parce que c'est vrai que sur les séries classiques comme ça, alors après, ils ont un petit peu changé, mais ne serait-ce des spéciales rares, je crois que j'en ai jamais eu. Je crois que j'en ai jamais eu des spéciales rares. Allez, let's go avec Trunks. Docteur Miu, Sangoku Super Saiyan, le fabricant, donc Docteur Gero, la marche du gorille, bouffe. Pas en grande forme là. Sangoku, on a le petit bonjour de C15. Thomas, alors ça, inconnu pour moi. Zamazu, âme satanique. Et on n'y est pas encore. On a le roi Vegeta, mais là on y est. On aura une simple rare avec Zamazu fusionné, la justice erronée. Bon, on s'y attendait hein, quand même. On pouvait pas. On n'a pas eu de carte foil pour l'instant. On va l'avoir là, je le sens. La carte foil, c'est quasiment obligatoire. Hein. Avec une carte foil, c'est une carte commune, peu commune, qui brille. Ah, tout simplement, il n'y a pas des cartes foil à tous les coups, pas comme dans Pokémon. Allez, le jugement du temps. On a le vaisseau spatial pieuvre. Kibitoshin, le pouvoir fusionner. On a le C-17. Le commandant Nezi. Jin, famille de la justice. Mister Satan. Ouais, là, c'est sûr que lui, il est mal barré.
Allez, on a une carte rare et on fait le doublé avec la carte foil. Je vous l'avais dit, hein, c'était logique que ça arrive avec la peu commune de C13, les prémices de la peur. On a fait une très très bonne pioche et on terminera avec ce dernier petit booster de Colossal Warfare. Est-ce qu'on terminera en beauté cette ouverture? Peut-être, peut-être. Tapion, magnifique, j'aime beaucoup hein, le film Tapion. Pilina, le duo Namek, Serment de Vengeance, Trunks, la rencontre du guerrier, Bra, Towa, Esquive arrière de Sangoten, Bulma, la mère responsable, Chronoa, allez, on y va, Pan, allez, c'est parti. Allez, on a une simple rare, est-ce qu'on fait un doublé? Non, malheureusement, on a Slug rajeuni, malheureusement. Pas de doublé, donc pas de carte foil, mais franchement, pour 5 boosters, c'était très très bien. On aura eu 2 SR, ça c'est plutôt cool, dont le Sangoku et Trunks. Bon, bah, pioche plutôt sympa sur Dragon Ball, on sait que c'est compliqué. Allez, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!